nous avons un métier qui est très particulier. Le terrain sur lequel nous travaillons, au même titre que les vaches ou les tracteurs, sont notre outil de travail. Il se trouve qu'on a un immense jardin et que ce jardin est à la vue de tous. Donc, ce qui peut être parfois source d'incompréhension et qui peut poser question. Trois éléments se sont dégagés dans notre propos. Tout d'abord, l'agriculture s'appuie sur des éléments naturels, c'est-à-dire que l'homme s'est installé sur un site en fonction d'un certain type de sol, en fonction de la pluie, de la température, et a fait pousser ce qui était le plus propice à pousser avec ce sol-là. L'agriculture façonne les paysages. Donc on s'est posé trois questions. Faut-il conserver, faut-il préserver ou faut-il inventer les paysages? Donc pour la partie conservée, je me suis appuyée sur le travail fait avec Natura 2000 Haute-Chaume, où la volonté européenne au départ nous paraissait de mettre sous cloche un paysage. On s'est rendu compte que c'était impossible, un paysage est vivant par nature et donc on ne peut pas le mettre sous cloche. Donc nous avons travaillé de façon intelligente avec le Conservatoire des espaces naturels et on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait que les animaux aillent dans certaines parcelles pour les tenir propres et surtout pour éviter l'enfrichement et puis également éviter l'avancée de la forêt dans ces parties. Ensuite, préserver. Donc préserver, c'est faire attention à ce qui existe, que ce soit le petit patrimoine bâti qui existe dans les exploitations. Il y a eu un gros travail de fait depuis les années 75 sur ce sujet-là, avec le rôle des architectes et de la Chambre d'agriculture, pour permettre de conserver tout ce petit bâti qui est une mine d'histoire. Préserver, c'est aussi faire attention dans l'emplacement des bâtiments. On utilise aujourd'hui essentiellement des bâtiments en bois, donc qui s'intègrent quand même mieux, et on cherche aussi à ce qu'ils s'intègrent bien par les haies. Donc on utilise toujours des haies avec des essences locales. Le but, c'est de s'intégrer dans le paysage. Inventer aujourd'hui, c'est nécessaire. Il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent et dans les méthodes de travail et dans tous les équipements. Ça part, par exemple, avec le photovoltaïque, les toits des bâtiments qui sont en photovoltaïque. Ça se voit aussi, qui pose parfois question, c'est quand on voit des fruits sous tunnel plastique. Alors c'est vrai que comme ça, sans connaissance, on se dit « Oh, le paysage est moche à cause de tous ces plastiques ». Quand ensuite, on se rend compte que ces plastiques sont très utiles puisqu'ils évitent d'utiliser des produits phyto, la vision devient autre et on peut tolérer, à partir du moment où tout est bien entretenu, d'avoir des changements de méthode de ce style. En fait, par rapport au paysage, on avait jusqu'à présent une notion de l'utile et on se rend compte que le reste de la société a de plus en plus la notion du beau et il ne faut pas que les deux soient en opposition.